Le handicap ne saurait être un frein pour mon épanouissement, à mon intégration effective à la société, disait Golda Meyi. Malgré son état d'infirmité, Dossou Gbachide décide de travailler pour survivre. Mais depuis quelques moments, le centre ouvert par ce dernier connaît de faillite. C'est un centre bien composé de saisies, photocopies, la vente de crédits et parfois nos amis de la vallée, ils viennent charger leur portable ici. C'était ça au départ. Mais arrivé à un moment, tout a changé. Tout a changé, si bien que vous allez voir dans la boutique, il n'y a plus d'ordinateur. Sinon, en temps, j'avais d'ordinateur, de photocopie et un frigo pour les eaux fraîches et glaces, tout ça là. Mais le temps a changé à telle enseigne que tous ces appareils sont disparus et puis je ne sais plus quoi faire. Et même les dettes, n'en parlons pas, je dois à pas mal de personnes. Même dans les institutions, je ne sais comment faire dans ma vie. L'une des proches de la victime témoigne de ses efforts. D'ailleurs, elle comptait. Mais le problème là, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Il lance un appel d'aide à toute personne de bonne volonté. Le premier homme de Dambo, monsieur le maire, bien sûr, monsieur Maodo Djossou, je suis allé le voir, mais il n'a pas pris mes doléances en compte. Je l'ai vu, j'ai parlé, je lui ai dit. Il a même dit que lui-même a besoin d'assistance. C'est ce que Maodo Djossou m'a dit. Le jour où je suis allé le voir, j'étais devant sa boutique, puisque je ne pouvais pas me lever aller le voir. Je suis resté là de 10h à 16h. Et c'est à 16h, en voulant quitter le bureau, qu'il m'a vu. Et il a dit, eh oui, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai posé mon problème que vraiment ça ne va pas, j'ai besoin de son assistance. Mais quand il a ouvert sa bouche, il m'a dit que lui-même a besoin d'assistance. Pour ceux-là qui nous regardent, je les invite à m'aider pour que je puisse sortir de cette crise. Cette crise qui me secoue fortement, qui me donne de l'insomnie, je les invite. La volonté ne peut avoir raison d'un handicap.